Même ces responsables programme dans RNDDH, réseau national cap défendre Mounio, gué coordonnateur général Front National Organisation pour Haïti Stable AK Démocratique, la Rosemont Jean, qui condamné attaque en exam fait contre mon quartier Bel Air à 1er avril passé à, contrairement à l'autre voie, nos sociétés à qui la guécha est là sous, au seulement G9 en famille avec alliés, qui gué pour slogan Mayoun, Mayoun tout, militant tête calé à faire connaître ces deux groupes gangs qui bataille dans quartier Bel Air, dans zone Badelma, qui la cause divers mondes perdit la vie. En côté, déclaration Rosemont Jean à micro, Radio Méga. Bon, même ça, c'est bien là. Autant que nous pas fixé problème, autant que nous pas passé pour un groupe, nous pas condamné nos parti problème, ça fait ceci. Parce que l'équipe nous a dit aujourd'hui à Gbelé, nous a dit que c'est des pauvres malheureux de bras balancés. Pas oublié, nous avons tourné tout de l'autre à l'assassin, nous ensemble de gang. Et c'est même bon ça, nous appelons sur la partie, de Dieu qui retourne, qui retourne tout. Et c'est bien ça qui a inventé l'opération Bagdad. C'est bien ça qui a inventé qui va faire en Haïti. Je dois me la gourmet avec la barbecue, qui je dois venir faire alias avec Ben qui vient de jouer automatiquement, puisque c'est alias à Gang, nous venons tout. Moi, ça nous donne tout. Bon combat, bon bataille, ça fait, pour le. C'est bandit qui souvent les passé pour petit budget, et puis pour faire des gens qui avaient le bras de tout, passer pour sauvage, pour canard sauvage. Nous pensons que fait que c'est là, il y a les problèmes d'appliquer. C'est pour nous condamner, c'est pour nous condamner toute attaque, quelle que soit forme, que c'est au niveau équipe barbecue, que c'est au niveau équipe gang qui souffre à tomber les. Comme vous m'avez attaché du feu. Tout, c'est pour nous mettre tous les trois gagnants dans le même panier pour suivre un centre de travail que nous connaissons, nous condamnons que son gagnant, bien qu'il vient. Quel que soit le monde, personne ne doit pas de droit d'être cette justice. Personne ne doit pas de droit tuer le monde. Personne ne doit pas de droit faire massacre. Mais ça nous comprend, manœuvre de massacre là, c'est des subterfuges que nous devons chercher pour faire l'ordre au niveau international. Pour montrer que nous avons armé, avec tous ces, on va dire, ces jabs à combattre, c'est le mal à combattre, et puis c'est comme si le reste nous capturait sous barbecue, c'est innocent. Non! 5h35. Dossier politique dans le journal là, sous initiative ensemble organisation politique dans l'opposition au plusieurs dizaines citoyens. Tentaté fait 7 tout palais national IMEC Wedian dans l'idée pour forcer chef l'État à quitter palais national. Sous parcours militaire au boulet caoutchouc et puis yon machine service l'État passe en bas d'ifé. L'activité s'est après le craser dans le moment président Jovenel Moïse Terpal descend. La police a travers 4 cimes craser manifestation sac balle réel dans l'idée pour faciliter président arrivé dans palais national. Porte-parole ensemble organisation politique en opposition tournée sous objectif un mouvement ça qui visait déraciner chef l'État. Abel Loriston rappelé yo pas participé dans aucun dialogue avec le président mandat fini. En côté Abel Loriston dans micro Alex Gauthier. C'est tout ça, la France est contre action parce que Jovenel Moïse, kidnappé par les nationales depuis 2 mois, je dis à jour pour jour, date pour date, fait Jovenel Moïse, président inculpé à 2 mois en tant que palais national. Parce que nous disons que le mandat Jovenel finit depuis 7 février 2021, Jovenel Moïse n'est plus président de la République. Jovenel Moïse n'a pas de mandat constitutionnel non, encore pour la prendre décision dans la population haïtienne. Et c'est ça fait que. Nous défendons un mouvement, lever campé, nous démontons de ma pétition, canapé, nous descendons sur la position. Mais l'autre forme qui vient pour nous dire que c'est facile, c'est aux environs de palais national. Parce que palais national symbolise mirage et Jéricho. On de palais national, gagne un kidnappé la donne. On de palais national, gagne un débattit légal la donne. On de palais national, qui est un monde illégal qui occupe place là. Et dans ce sens, ça, qui fait que je dis à la perdu. 7 tout palais national, qui, parce que nous connaissons le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Lorsque vous parlez de chiffre 7 là, vous allez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, et vous allez force en royo pour dire que pour combattre avec force en bas. Nous sommes 35, parce que je dis à là, à midi, que pas que somme nous parlons de tout, somme 35 qui dit que Seigneur attaque les gens qui parlent de nous, votez les épées pour nous frapper mauvais géo. Eh bien, je dis à là tout, nous parlons. C'est
Somme 91, nous allons réciter Somme 46, nous allons réciter Somme 3, nous allons réciter Somme 7, nous allons réciter Somme 22. Nous faisons qui dit que Seigneur, délivrez Haïti, on va draguer la passe. Et dans ce sens, tous les jours d'hier, nous 17 février, ça, qui symbolise une date historique dans l'histoire d'Haïti, parce que 7 février, pardon, 7 avril, nous étions prêts, tous ces ouvertures, parce que tous ces ouvertures étaient là pour négocier. Mais nous-mêmes, nous sommes petits des salines, idéologie des salines, non, nous avons pour nous dire, nous pas de négociation à personne, à Jovenel Moïse, mandat fini, et bien c'est mandat, Jovenel Moïse qui finit, c'est aller pour l'aller, c'est quitter pour quitter Palais National, pour aller pénitentiaire national par rapport de tout ça qui est fait. Tous les jours, il y a des gens sous Bélé qui ont crié, des gens sous Bélé qui ont marre, qui ont porté disparu, qui ont voulu tout vivre, et bien nous-mêmes, nous allons négocier avec Jovenel Moïse. Massacre la saline, massacre Tokyo, massacre Bélé, massacre Maya, massacre Kafoufei, et bien tout massacre ça, c'est Jovenel Moïse qui ôte tout, qui donne nous pas qu'à négocier avec Jovenel Moïse. C'est tout ça, je dis, pour nous, c'est tout pour nous mettre pas qu'à dehors. C'est tout ça pour aller mettre Jovenel Moïse qui anime avec l'esprit qui t'active dans les mêmes, l'esprit criminel, l'esprit Dombala Ogo, l'esprit Esli Freda, l'esprit sanguinaire, l'esprit criminel qui a personne en deux pays. Trop sans couler, faut que Jovenel Moïse quitte le palais national à partir de cette tout ça que nous faisons. Pendant même jeunesse à tout, il y a un mouvement bas ténèbres qui était fait dans la zone Chanmas, côté citoyen, il a frappé tout ça aux jeunes en bas méo, dans l'idée pour continuer à exiger des pas chef l'État, Jovenel Moïse, dans tel pays. En écouter comment ça a été pour hier mercredi. Daryl Balthazar, représentant secteur démocratique là qui était présent, mandé jeunesse haïtienne n'a pas tant de mots d'ordre organisation pour mobiliser contre régime Boudissa. Même gens ça passé qu'on y a dans certains pays étrangers. Militants politiques là fait solidarité tout avec SPNH 17 là, les dit qu'a subi persécution dans mes pouvoirs. En côté Daryl Balthazar, n'a mis quoi Alix Gauthier. Mafia nationale et internationale qui prend le peuple haïtien d'assaut et n'a profité pour un appel à la communauté internationale, en particulier les États-Unis et les Nations Unies, qui l'ont complot avec ensemble de mafias nationales et internationales qui prend le pays d'assaut, qui empêchait l'État, le peuple haïtien, développer. Et ça fait un apoumé pour nous capables de reconstruire l'État, ça, pour nous capables de l'État plus viable et viable, pour tout le monde capable de vivre, tout le petit pays capable. Là-dedans, côté que la sécurité, côté que pas plus kidnapping. Parce que imaginons, depuis 3 heures, regardez la rue, tout le monde rentre la caillou. Et ça qui est grave, on y a, on y a pour rentrer la caillou, on y a dans l'église, on a pas adoré, et bien nous, kidnapper, bandit, pouvoir, albrand, on y a dans l'église. Et bien tout autant que mafia, ça y est. National et international, en de parler national, kidnapping n'a pas besoin de suspendre parce que kidnapping n'a pas besoin de suspendre l'État. Insécurité n'a pas besoin de suspendre parce que l'insécurité a son insécurité d'État. Et ça fait un appel interpellé la jeunesse haïtienne, le peuple haïtien. La jeunesse pays, c'est les plus puissants de pays, avec femmes. Nous n'avons pas besoin de tant de mots d'ordre dans mes organisations pour nous investir là-bas. Il faut nous faire même avec la jeunesse sénégalaise, même avec la jeunesse Biman, même avec la jeunesse et Hong Kong. Même gens avec la jeunesse algérienne sont faits là. C'est comme ça pour nous investir la rue chaque jour pour nous capables de faire un résultat face avec la mafia nationale. Et nous là tout pour faire solidarité. Nous là tout pour faire solidarité avec la police nationale d'Haïti. En particulier toute policier de mafia a arrêté, vous les tracer syndicat dans le pays. Si on va arrêter avec son collègue et si on va persécuter l'ensemble de policiers qui dans le syndicat SPN 17 là, nous demandons tous les syndicalistes pour lever campé. Parce que ça a pris la SPNH là, quand on a commencé à faire sous syndicat en CIAO, les autres mettent dans des réunions avec le professeur Gentil et autres, mais il faut que nous campions pour nous défendre.
droit nous, droit fondamental, que constitution ça a nous, constitution 47, amendé. Faut que nous tournions pour nous défendre la liberté, la parole, la liberté, de manifester en notre pays pour nous chasser ensemble de voix et de pays. C'est que la démocratique là, vous voyez bien loin, là, vous voyez, j'étais bien loin, parole, là, dialogue religieux pour la paix à parler à là. Initiative ça, c'est une tête calée, c'est une équipe nègre dans le pouvoir tête calée à cas, c'est un trait en opposition à cap chercher Mousso Gâteau Payo. D'après Daryl Balthazar, qui fait qu'on est au pape chercher aucune sortie honorable pour président Jovenel Moïse, c'est la justice cap tranché sous son chef l'État. En écouter pour une deuxième fois, Daryl Balthazar. Kidnapper, peuple haïtien, nous-mêmes, même mon l'église a kidnappé, même tout le monde a kidnappé, je ne sais pas de religion pour la paix. Je dis à la, des massas sont des masses, anciens et pouvoirs dans la, qui fait des masses au niveau de religion pour la paix internationale, et puis mélanger avec l'équipe de mafia qui te propose la opposition, et puis que soit à cohabiter, à négocier à Jovenel pendant le mandat Jovenel fini. Je dis à 7 avril 2021, fait 2 mois depuis le mandat Jovenel fini, nous-mêmes au niveau secteur démocratique là, nous-mêmes avec organisation de base progressiste, organisation étudiantine progressiste, nous parlons de négociation. Peuple haïtien, ce qui a passé là, qui dépassait des questions de négociation, des questions de Jovenel. Et puis nous-mêmes, nous parlons de sortir honoratoire avec Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse, c'est un assassin, c'est un kidnappeur. C'est la justice haïtienne qui vous prend responsabilité, qui vous arrête Jovenel Moïse avec la police nationale d'Haïti. La police était mobilisée bien bonnet hier matin devant local syndicat police nationale là SPNH 17 qui trouvait sous Bavena. Non moins syndicat a paré pour bailler une conférence pour la presse. Syndicaliste dénoncé au commandement qui continue à faire répression contre syndicat alors que plusieurs n'ont déjà en bas code pour position yo. Alex Gauthier était présent à la présenter nos reportages. Bien bonnet le matin, yon blindé à qui on bas cobri était déjà prend place devant local SPNH 17 là. Pour qui raison, personne ne connaît. En dans espace là, Domo Sensi, porte-parole SPNH là, te gêta présent. Jean-Fritz Magny, qui c'est avocat SPNH 17 là, te sous place tout. Déco a planté pour conférence là, yon titan après, mette Arnel Remy, qui te doué sous table conférence là, atterri tout estomaqué face à présence policier yo. On continue pas ça vous non, c'est bien en 32 et pas ça vous faire. En 32 violer domicile là été net. Mais vinn de on continue bien quand il y a bonne sécurité dans les kidnappings. Porte-parole SPNH 17 là, Domo Sensi rentre présence la police devant espace là. Comme une autre forme répression contre syndicat PNH là. C'est ça qui fait que SPNH 17 l'a subi toute répression ça yo. Si nous t'avons tiré aller, n'a pas que dernièrement là, il y a deux bagailles qui a passé dans SPNH 17 là jusqu'à présent qui a passé nous là qui prouvait à clair que c'est répression qui a fait sous nous que roi état major là et consort, il y a pas rien vraiment que il a reproché nous. C'est juste, il y a un problème avec la structure syndicale là. Il n'y a pas voulu accepter dans la fonction policière là. Il n'y a pas voulu accepter de gagner la structure syndicale là. C'est ça qui fait que Oué a fait toutes sortes de répressions. Porte-parole SPNH là, dit le pas quoi. C'est policier qui n'a pas accepté participer dans la répression ça. De mon sens, il rappelé aucun policier n'a pas dû obéir en balade illégal. Donc, pas qu'à accepter en dedans la structure SPNH 17 là, que c'est des policiers véritablement qui ont fait action ça. Yo. Parce que nous connaissons les policiers, lorsqu'ils ont été à l'académie, ils ont appris pour agir selon ça, la loi, lui-même lui demandé. Ils ont gagné comme boussole la loi. Les actions que nous avons faites là, ce n'est pas des actions qui cadrent avec la loi, ce n'est pas des bagailles qui chita sous des principes qui vont construire une société. C'est ça que nous demandons. Est-ce que c'est effectivement des policiers qui font genre de bagailles ça yo? Persécution ça yo vini à cause SPNH 17 là a dénoncé une série de dérives qui a passé dans PNH là, tant coup présence All Black, opération mal planifiée, c'est quelque cause persécution ça yo d'après Jean-Fritz Magny. Dernier bloc qui tombe dans vase là qui fait qu'on y a yo enragé, yo déchaîné qu'on y a là, c'est par le fait que il y a deux déclarations qui fait, ces deux points sont m'a souligné pour nous. C'est eux-mêmes qui font tout virement ça qu'a fait là. Gain par le fait que c'est nous, coordonnateur général, nous, il a annoncé à la presse que gain All Black. Pendant la conférence là, après à poursuivre, présence policière a renforcé devant local SPNH 17 là. Militants sortis tout partout, viennent faire solidarité, situation
commencé compliqué. Nous dit peuple, tout ça, révolution, peuple a fait face avec eux, toutes les façons, parce qu'elle ne va pas, parce qu'elle veut face dans la bataille, quel que soit le monde, nous sommes devant le peuple. Et quand vous êtes, nous vivons. Parce que la police aujourd'hui avec toutes les enchaînes, on se volait, on se kidnappait, 2004, on peut se voler, nous va s'appeler. Je tiens une possible pour nous va rester en 17. Comme nous devons voir une bagarre, nous ne va pas faire ça. Parce que la bouche vous avez, mais la rue déjà, nous va faire ça. Et on va vous dire. N'a pas rappelé, c'est dit qu'Alice arrivait chapé pour lui sous escorte militaire. Ahmed Anel Remy qui t'a accompagné yo mettez dans machine yo pour quitter espace là. Est-ce que présence policier ça yo te vle di yo t'a paré pour arrêter monsieur SPNH yo? N'a signalé gien ancien porte-parole SPNH là Abelson Goneg qui déjà dans prison. Actuel coordonnateur Jean Elder lundi gien mandat d'elle sans compter ancien coordonnatrice là Yannick Joseph. Alix Gauthier, Radio Mega. 5h45. Merci en pile Alix Gauthier d'avancer avec information toujours dans même dossier ça Gemet Anel Remy qui s'est avocat en ses propres l'espionnage 17 ans qui s'est Abelson Groneg. Il fait qu'on est là syndicaliste en forme dans prison et ses policiers qui a fait quête pour bail Abelson Groneg l'âge pour qu'il capable fonctionner dans prison. Toutefois, avocat fait qu'on est là responsable prison en bal garantie la bien traité Abelson Groneg en dedans prison civile dans pénitentiaire nationale. Cependant, Met Arnel Remy va garantir tout le travail pour libérer Abelson Groneg avant longtemps. En côté, M. Arnel Remy, dans le micro, Alex Gauthier. Moi, je parle avec Abelson Groneg. Nous sommes en prison hier, cadeau avec tout espèce de chance dans la prison. Et pour que nous sachions que les policiers crient. Bon, policier, c'est mon compère Abelson crier. On policier crier parce que ça fait mal. Seul Abelson crier. Mais Abelson dit au peuple un message, journaliste surtout. Il dit bon, mon message, nous, m'a fait photo. Nous avons fait photo. Abelson écrit. Il est en train d'écrire son histoire à la prison civile de Port. C'est quelqu'un qui dispose d'une morale assez forte. Il faut. M'a dit, nous rencontrer lié par tel. Et m'a dit, même message, directeur prison a dit. Directeur prison a dit, c'est un type pour qui il a beaucoup de respect. Il a fait tout ça capable pour bien traiter. C'est le message que m'a demandé à Belson de vous prodiguer, de vous véhiculer. Lui, bien, il n'a pas maltraité. Au contraire, policiers ont fait quête, ils ont fait jouer une cob. Jusqu'à présent, ça va pour lui. Mais message là, nous avons fait photo message là, Belson dit, peuple haïtien, c'est beaucoup de policiers au bout de campi. Parce que répression, ça qu'a fait, n'est pas possible. Nous ne sommes plus à une époque de la barbarie. Nous pas à une époque dictatoriale pour ma vie, pour ne pas rentrer dans où est-ce que fait là? Léon Charles est en train de montrer, de confirmer la dictature de Jovenel. Débrouillez nos situations côté liberté d'expression menacée, dans la dictature. Débrouillez nos situations côté blindé, bribra, mba, qu'on est salé, chat blindé, chat iso, ou qu'est-ce que ça, c'est chat iso, t'es acheté, qui devant là. Nous, nos situations difficiles. Et nous-mêmes, au niveau de la batterie d'avocats qui a sur la défense d'Abelson Groneg, pour nous dire bien que c'est la même action, n'a implanté, même action de défaite pour prisonner Petit Boyau. Son action en habeas corpus, puisque nous connaissons tribunal fermé, puisque nous connaissons accès à tribunal à difficile. Président parti politique Unifos Paul Denis salue démarche religion pour la paix prend pour organiser dialogue dans mitan acteurs politiques une manière pour résoudre crise là dirigeant politique dit initiative ça arrivé trop tard parce que yo clair sous position yo mandat président Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021 pendant le renouveler détermination pour continuer bataille contre équipe en place là les mandat tout population rapprocher ensemble avec série mobilisation yo en côté Paul Denis dans micro Peterson Blaise. Oui non. Nous avons une invitation indirecte à travers le pod, puisque une fois c'est membre parmi les partis qui composent le pod là. Donc notre position, nous-mêmes une fois, c'est que cette initiative que nous saluons, cependant, les unités et puis les inappropriés. Je dis à nous avons un monsieur qui est le Jovenel Moïse. Nous écrasé toute institution dans le pays. Nous sommes mal ensemble avec bandits à travers le pays pour craser tout petit reste qui était dans le pays. Et puis nous avons pris un processus et mandat fini depuis 7 février 2021 grâce à concours bandits, grâce à concours la police qui a pu obéir, sans garder derrière à une série de l'homme et qui n'est pas légal. Eh bien, tu comprends, il a imposé présence
aux citoyens et aux citoyennes, à l'ensemble du pays. Et nous-mêmes, la UNIFOS, nous-mêmes avec les autres camarades de plusieurs partis dans le pays, la population, dans sa grande majorité, nous dit non, ça qui là, nous parle, il n'est pas bon pour nous. Et naturellement, pouvoir bandit ça, du complice avec et des membres de la communauté internationale, ils ont mis ensemble pour nous faire valer ça, nous pas valer, pour nous faire valer poison. Nous-mêmes, nous dit non. Nous pas boire, n'a bataille jusqu'à ce que nous voyons Madichon aller. Réponds-nous à l'initiative ça. Et d'ailleurs, et l'initiative là, on nous dit libre. Alors, c'est qu'on pose, c'est non, n'a pas fait au monde de religion pour la paix. Nous saluons l'initiative là. Et cependant, même moi, l'Ivigny, et une semaine après que l'OEA, soit le 17 ou le 18 mars, qui prend résolution. La résolution, il prend, il dit, il a invité, il a demandé le secrétaire général des Nations Unies, de l'Organisation des États. 5h50. N'avancez avec information, gué responsable Force Nationale pour Démocratie à Serge Jean-Louis qui confirmait au recevoir invitation bon côté religion pour la paix sur démarche dialogue entre différents acteurs politiques. Yo, Serge Jean-Louis dit yo pas nan causé si t'as parlé avec chef l'État pour nous dire bien Jovenel Moïse côté mandat bout depuis 7 février 2021 passé à 900 ans ces députés marchand des Salines mandé citoyen yo pour yo continuer mobiliser pour arriver capoter régime PHTK 10e version ça. Écoutez, Serge Jean-Louis. Ça dit que nous recevons, évidemment, des invitations, des religions pour la paix, même si plusieurs entités, ou si vous voulez, plusieurs pôles qui travaillent ensemble, à peu près 4 ou 5, depuis l'initiative qui se prend pour nos partis dans l'unité d'action, qui fait manifestation 14, 28 février, 29 mars, ainsi de suite. Donc, on peut continuer à travailler ensemble. On continue à brasser l'idée sur la conjoncture politique. Hein? Et dans le cas de ça, il y a des gens qui sont informés et qui ont démarché religion pour la paix. Et puis, quand ils ont partagé les amis dans le groupe, ils ont informé tout le groupe. Ils ont regardé avec tout. Ils ont écrit FND. Nous avons reçu l'invitation. Allez, nous avons reçu l'invitation. Hein? Nous avons regardé les suivants. Ça, ils ont dit. Et on va quitter à tirer attention, non? Ils ont dit, sous demande, des partis, regroupements et des organisations de la société civile de toutes tendances confondues au niveau de la société haïtienne, au niveau de l'horizon. Ça a attiré l'attention, non? Ça a attiré l'attention, non? Nous, écrit religion pour la paix, justement, pour nous poser une interrogation, nous poser des, faire des questionnements et nous exiger pour nous dire qui groupe ça a eu, qui demandait pour lui initier une démarche comme telle. Ni, non, réponse, ni liste groupe, yo. Et sur base ça, nous constatons, et réponse client, et nous continuons à travailler dans un groupe, évidemment, nous poser des interrogations sur des matchs à même, nous questionner des matchs à même. L'importance qui, dans la période des matchs à faire, faites là, et qui s'allient comme avenir en débat de ce genre. Enfin, démocrate, nous n'avons pas qu'à opposer au principe pour parler avec monde, pour parler avec des responsables, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Mais qu'on y a, on pose peut-être non, des questions. On dit, pour qui ça, pour nous parler dans le moment, et à qui est-ce pour nous parler? La réponse à qui est ça, Jovenel Moïse, pas la donne, bien évidemment, pour être cohérent en positionnant le 7 février 2021, cette date a marqué la fin du mandat de Jovenel Moïse. 5h55. Coordonnateur général Force Nationale pour Démocratie, Serge Jean-Louis, continue à acquiser l'administration Moïse Joutlan, dans la sécurité généralisée population, qu'on est dernier temps sa yo, ancien député à mode des citoyens, l'effet capé pour couille des équipes qui est responsable à toute vie, Zach sa yo, pendant le dit pouvoir en place là, pas gain volonté pour résoudre problème, non? D'un côté, Serge Jean-Louis, toujours dans le micro Peterson Blaise. Non, insécurité, il faut admettre que c'est pouvoir alimenter.
faut admettre que ce pouvoir même, ce pouvoir, ce régime PHTK au pouvoir, régime Jovenel Joutlin, si nous même capable d'alimenter la sécurité, pas besoin de prendre plusieurs exemples pour justifier déclaration Jovenel Moïse ou comprendre de la débat comme ça. Son équipe, ça, les symboliser les sécurités généralisées, les sécurités, les sécurités planifiées, organisées par certaines autorités de l'État, au plus haut niveau de l'État. Bon, madame là, toute la présence PHTK là, au pouvoir, Jovenel Moïse qui crée à pouvoir, a toujours une insécurité. Immédiatement, Jovenel Moïse va te pas dire, l'insécurité va éliminer totalement. Mais à l'annonce officielle du départ de Jovenel Moïse du Palais National, ou en façon l'autre réalité. On dit que ça va parler, Blaise. On va prendre trois exemples, s'il vous plaît. 300 000 marques du Palais de l'Union, 7 février 86. L'arrivée, 7 février 86, 86. 28 février, on va chercher un gouvernement. Et pas même 28 février. On va chercher un gouvernement contre le Palais, non. Peuple a debout. Il renversait sur lui-même, quel que soit le côté passé. Deuxième, Mabio. Ouais. 15 octobre 1994, au retour officiel de Jean-Bertrand Aristide sur le territoire national. Autant dire, comme par contre, ce qui est en là, il soit fait frappe là. Frappe là, c'est puissant, oui. Mais frappe là, des amis, il y a 38 même. Au 47 même, il y a campé dans la gare, calé mon livre. Il a arrêté mon livre, mais on a battu frappe de l'attaché de quartier général, côté Michel François Théal. Déclaration, ancien député marchand de Salinas, Serge Jean-Louis, responsable en front à Rosemont-Jean, qui est même sur l'initiative, religion pour la paix, prend pour organiser dialogue dans mettre tout acteur politique, yo, une manière pour joindre une solution avec crise, pays à prendre les derniers temps, c'est yo. Militaire politique, l'a critiqué, dirigeant d'opposition, Lidila, qui pas n'en causé, chita balaka, président Jovenel Moïse, alors que, pour Rosemont-Jean, yo dit, c'est démocrate, yo démocrate pas qu'à pêche, chita palé, allié pouvoir en place, non, qui c'est Rosemont Jean rappelé mandat locataire par les nationales. Là, vous me dites bien, Jovenel Moïse à bout 7 février 2022. En écoutez, Rosemont Jean. Pour moi-même, démarche religion pour la paix, l'état de démarche, tout le monde qui a bon sens, tout le monde qui croit dans le pays, tout le monde qui croit dans l'alternance, tout le monde qui croit dans le pluralisme en politique, tout le monde qui croit, je veux dire, nous avons une pensée unique, nous pensons que c'est une bonne démarche pour permettre que, quel qu'en soit, que c'est le monde qui est en pouvoir, que c'est le monde qui est en opposition, chita autour d'une table, puis regarder la bataille politique qui gagne, qui côté nous mène le pays. Et qui est-ce qui, pour qui monde qui profite des situations d'instabilité, qui profite le crime, vous comprenez? Je veux dire, c'est une démarche religieuse pour la paix, c'est une démarche pour moi-même qui sage. Et je pense que c'est du côté du pouvoir, qui me déjà connaît des volontés, qui est toujours en de dialogue, que c'est du côté de l'opposition qui veut garder une position extrême, que l'État doit comprendre que je dis, aspect extrémiste, n'est pas de mise en politique, puisqu'on a parlé de l'alternance, de pluralisme, de démocratie. Démocratie, de vraie démocratie, c'est dialogue, c'est mon monde capable toujours d'un désaccord, mais à travers des accords, il faut que nous chita pour nous capables de un accord sur ça qui sur l'intérêt. Majorité, m'a dit mon cap du mandat président Jovenel Moïse est fini, et cap fait tractation à travers un article, l'article 134-2, et avec toute sens, toute sagesse, toute humilité, toute compétence, tout savoir-faire, savoir-lire, puisque on connaît bien, puis on a fait le tout article 149 constitution amendée, article 149 constitution amendée, et 149.1 constitution amendée, à partir de là, ils sont capables de dire à la sagesse. Tout le monde est capable de dire un erreur, ou capable de faire un erreur. Robin, l'homme est sujet à l'erreur, l'erreur est le domaine de l'homme, puisque l'homme est sujet à l'erreur, ils ont gardé l'article 149 là, et puis à partir de là, ils comprennent. Moi, autant de qui disent, ils n'ont pas de chita, ils n'ont pas de dialogue là, c'est parce que, ils croient, le jour de stabilité, ils ont même tombé dans le chômage, et c'est ça qui explique, il n'est pas intéressé à dialogue, il n'est pas intéressé à stabilité, il n'est pas intéressé tout à l'heure que la vie reprenne de pays. Parce que dans tout le monde, le coup de vie, c'est à travers l'instabilité, il fait code, à travers l'instabilité, il fait taille, à travers l'instabilité, il fait machine, à travers l'instabilité, il fait université, puis situé à l'étranger. C'est que pour ça, soit regarder dans l'ensemble, ou adjoindre pas de 1,4 fois 1.
Romain, il n'y a pas des entrepreneurs, il n'y a pas de business, il n'y a pas de perdre. Seulement, c'est une manifestation qui source de revenus, et c'est ça qui explique eux-mêmes, il n'y a pas pour la paix, il n'y a pas pour le dialogue, il n'y a pas pour la stabilité. Et les gens, il y a une catégorie par eux, il y a une mission par eux, il y a un objectif par eux dans la mobilisation. 6 heures. Coordonnateur général Front National Organisation pour Haïti, Stabak Démocratique, heureusement, je continue à acquiser opposition dans Zak Kidnapping, qui a fait sous population. Militaire politique, dit, c'est un outil dirigeant opposition utilisé, une manière pour faiblir président Jovenel Moïse. Dans ce sens-là, heureusement, j'ai demandé citoyens pour ne pas prendre un jouet de ça. En côté, il y a l'autre fois, dans le micro, Peterson Blaise. Je vous dis, dans ce kidnapping, et moi, je te dis déjà, et moi, je dis encore, et puis, maintenant, à n'importe quel moment, je vais me faire pour le servir. Je vous dis encore que ce kidnapping, c'est un kidnapping, c'est un zame politique que M. Bade Positionnel utilise dans les rapports de l'enfant que tu appelles. Mais tu vois que tout crime, ça fait pendant vaccin, on est condamné, on est tous pour mettre ensemble pour nous condamner toute la vie, pour nous affronter toute la vie, pour nous renforcer la police, pour la police de travailler, on va se déstabiliser. Il y a déstabilisé l'institution politique, il y a déstabilisé l'État. Alors, je veux dire, c'est pour nous regarder. Tout le monde qui gagne terrain, la crime ça, la kidnapping ça, la insécurité ça, est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est le monde qui a fait une bataille politique qui besoin de montrer pas des conditions pour l'élection faite, qui besoin de montrer pas des conditions pour le référendum fait, qui besoin de montrer diaspora pas des conditions pour être en Haïti, on vient à partir de là. Mais nous finissons cette question sagement, de façon honnête, et à partir de là, nous parlons à qui profite le crime. Qui monde qui jouit le crime, qui monde qui a fait capital politique à crime, qui monde qui utilise le crime ça pour faire marchandage, pour empêcher la stabilité, la paix, l'action, Mola Vim, Moto, c'est la Vim, c'est une nouvelle association qui prend naissance à Yemeridia dans le secteur transport. Et stricti ça, il y a divers objectifs, tant qu'on défend tout chauffeur moto, laisse à nécessaire. Devant la justice, dans le service de circulation et la trier, Mola Vim apparaît là pour faire formation pour tout chauffeur moto, yo, pour d'ailleurs faciliter aux jeunes assurance santé, les hauts malades, d'après Yvon Bonhomme, qui est vice-président stricti ça. En côté, le micro, Jean-Philippe Masséan. Yon motocyclette avec yon camionnette qui a fait taxi, c'est un investissement privé, loi pays à protéger. L'issue yon business, même gens à tout l'autre business. Mission Molavim. Molavim, avant de reprendre toute activité qui est capable d'améliorer les conditions de la vie, tout chauffeur taxi moto et chauffeur camionnette dans tout le coin pays d'Haïti. 1. Défendre tout le monde lié au tribunal à faire intervention pour eux devant autorité policière, laisse ça nécessaire. 2. Faire formation pour tout le monde lié au une façon pour la population capable d'identifier et également montrer faire business à face au gérer business dans tout le pays. 3. Aider tout le monde, renouveler licence, enregistrer dans OABCT, remplir toute formalité de GIO sans tracas. 4. Permettre aux membres de gagner une assurance médicale pour les tomber malades, ou bien ne faire un cas accident. Et 5. Mettre sous pied un mutuel qui est capable d'aider les membres qui veulent faire un autre business, accompagner les motos tombées en panne, à faire un chauffeur tombé malade, qui n'est pas capable de travailler et la trier. 6. Mettez sous pied un pack motocyclette qui a formé technicien qui pour réparer et reconstruire motocyclette. Et 7. Dénoncer toute injustice que chauffeur taxi moto et chauffeur camionnette a subi. Un chauffeur taxi moto et un chauffeur camionnette, c'est un travailleur, même gens à tout l'autre travailleur. L'État doit respecter et faire respecter le droit, la société a dû reconnaître le malheur. Oui, moto, c'est la vie, parce que c'est lui-même
qui permettent de répondre à des besoins. Pour faire mon lavis, il n'y a pas de résidence. Il y a mon jacket avec stickers, mon lavis dans soulé et avec un numéro qui identifie que c'est le même numéro ça, la police a bien numéro ça, quel que soit sur le territoire. Pour nous chauffer mon lavis, numéro soulé, on va poser sur base de données, il y a plus de gens qui chauffer mon lavis. 6h05. Dossier éducation dans le journal là, et mercredi 7 avril, a rappelé date le mot Toussaint l'ouverture, dans l'occasion 218e anniversaire, le mot sa responsable dans l'ICA, organisé une série de conférences pour les violences importantes à quoi Toussaint l'ouverture, t'es joué dans l'indépendance PIA, directeur l'ICA ou Ligue du Verger, dans l'intervention, rappelé, la bataille Toussaint l'ouverture menée qui permet pays d'Haïti sortir dans l'esclavage, d'après ou Ligue du Verger, Toussaint sur un modèle inspiration, les lanceurs ont appel à bas citoyens payants pour identifier fait ça qui divise yo et puis renforcer ça qui inio pour pays a capable gagner aller mieux occasion pour dirigeant lycée à décorer certains anciens qui marquaient passage yo dans lycée en côté Rodrigue du Verger qui était dans micro Josué Belamour. Un événement qui va permettre nous redécouvrir l'histoire d'un grand homme en la personne de Toussaint l'ouverture que nous relis historiquement le Spartacus noir et que Jacques Oumé relis le Christ noir lui-même. Donc Toussaint pour nous-mêmes c'est un modèle d'inspiration, c'est un père fondateur également de la patrie. Et il y a un homme stratège, il y a un homme qui dégage plus de sagesse, il y a un homme qui t'aime un pays, il y a un monde qui sortit de l'esclave pour le rivet général, de son monde qui gourmet en pile dans la ville et qui permet que je dis à nous comprendre pas un sacrifice qui est trop gros, qui est trop lourd, qui est trop difficile pour le monde faire, pour capable assurer ou élève, pour capable permettre que le pays soit stable. Donc dans le contexte, nous devons d'une part, faire les gens comprendre, réapproprier yo matériel ça yo, réapproprier yo savoir ça yo, que histoire pays d'Haïti est riche tout en leçons, les riche en motivation, les permettre que nous capables de garder nous dans miroir pour nous dire côté nous sortir. Ou pas capable parler de pays d'Haïti sans pas citer les pères fondateurs de la patrie d'abord avec toute cette ouverture. Donc dans le contexte je dis à nous dire que pour ton regard très particulier sur sa mort, sur sa personne, sur son œuvre et son sacrifice. Il y a un monde qui permet que Jodia, Haïti, au rang des nations qui parlent de liberté, malgré nos faiblesses, malgré nos différences, malgré notre situation, mais Haïti, c'est la première république noire du monde. Le point d'actualité à la guerre programme projet appui gestion efficace à ressources l'État yo qui lancé hier mercredi à la deux journées atelier sous Jean équité et inclusion sociale dans l'idée pour attirer attention autorité dans l'État sous inégalité Jean et exclusion sociale qui gagne dans société haïtienne non c'est USAID qui finance projet ça yo d'après responsable programme non qui c'est UDER Antoine qui fait qu'on est entité apporter appui à diverses collectivités territoriales en deux pays en façon pour renforcer capacité administratif à cas fonctionnel commune Sayo. Entre côté déclaration UDER Antoine, un micro Jean-Wilner Sévère. Gérer est un projet de gouvernance financé par l'USAID et exécuté par RTI International. Et deux partenaires internationaux qui sont le Centre de formation et d'encadrement technique, CIFEP, et l'Institut de formation et de services, IFOS. En effet, GERE apporte un appui au renforcement des capacités de l'ensemble d'institutions de l'État central, dont la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Commission nationale des marchés publics, CNMP, la Direction générale des impôts, la Direction des statistiques et d'informatique, du ministère d'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le projet GERE apporte présentement son appui également aux collectivités territoriales, en particulier à 7 communes cibles, dont Cap-Haïtien, Pillon et Saint-Raphaël dans le nord, Caracol et Wanamet dans le nord-est, Carrefour et Tabar dans le département de l'ouest. Cet appui concerne spécifiquement le renforcement des capacités administratives et fonctionnelles de ces communes, la mobilisation fiscale en vue d'augmenter leurs recettes, la participation citoyenne dans le processus budgétaire, la définition des priorités communales de développement, l'amélioration de la fourniture et l'accessibilité des services à toute la population
en prenant en compte les besoins spécifiques des groupes marginalisés et vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que d'autres groupes discriminés dans le pays. 6h10.